Salut à tous, c'est Terminex. Aujourd'hui encore une vidéo sur Ghost Recon en mode spécialiste, mais cette fois-ci au fusil à pompe. Donc ça va être un carnage hein, parce que j'aime bien cette arme, je me suis bien entraîné et tout ça. Et en plus, en principe, elle one shot. Donc voilà. Donc la tour de Koroliov. Enfin, je sais pas ce que j'ai avec cette map, c'est la quatrième fois que j'ai la de suite. Mais bon. Bon, on va accepter, tiens. Et comme ça, on va être tranquille. Voilà. Unité de spécialistes. 'Y a pas beaucoup de monde à chaque fois dans les parties d'échauffement. Ça m'énerve un peu parce que c'est bien. Bon bah voilà, MP5GI. C'est que la partie d'échauffement. Que bah voilà. Ils nous prennent le point que moi je vais intervenir dans leur prise. Et donc ils sont là. Et voilà. Moins un. Fusil à pompe. Joli. On va partir par le point A, puis on va revenir au point B par l'autre côté de la map. Sauf si je me fais tuer. C'est juste en fait le rechargement entre quand on recharge comme c'est un fusil à pompe, faut pomper pour tirer. Bon, c'est un petit peu raté, mais bon, voilà. On va repartir par là. C'est le plus simple pour aller de l'autre côté. Donc moi cette map j'aime bien puisque je m'y suis habitué. Voilà, ils étaient 3, enfin 2, lui il était ou je sais pas quoi. Donc ah oui, j'ai plus grand chose. Voilà, j'ai ça, mais bon, moi je préfère la M500 SV. Enfin, après je peux prendre la mitraillette, mais bon. Bon bah on va partir vers le point A. Voilà, et de 1, oula. C'est moi qui l'a eu et pas l'autre. Donc j'étais presque. Mais il avait beaucoup quand même de vie. Bon bah voilà, il est mort. Donc au point B, il y a quelqu'un. Il vient de se faire achever. Donc c'est reparti. Ah, donc non, il y a bien quelqu'un. Donc ça doit être le type qu'on a vu là. Donc je vais le prendre par en haut. C'est toujours plus marrant de faire ça. Allez, viens. Voilà. C'était beau.
Et voilà. Donc on va activer les guides. Et plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et voilà. Magnifique. Un superbe bouclier guide. Enfin, ça se consomme vite et en plus, on peut pas courir. Bon bah voilà. J'aurais dû l'activer un petit peu avant. Enfin, après, plutôt. Parce qu'il m'a eu avec une drôle d'arme, bizarre. Enfin, je sais pas ce que c'est, j'ai plus le temps de lire. Mais bon. Voilà, je suis pas dernier. Et je suis pas premier. Mais bon, voilà. Si vous voyez mes premières et deuxièmes vidéos, bah, vous verrez qu'il y a un petit changement. D'autres. Bon bah c'est par derrière qu'on m'a eu. Et voilà, vous l'avez vu. Gamecrafter. Donc let's go. Donc voilà, on est en train de se faire prendre le point B. Donc bah, je vais re-intervenir. C'est ma souris qui a merdé. Voilà, ils nous ont pris le point A. Bon, bah, ils vont s'attaquer au point B. Donc là, faut foncer au point B. Voilà. Donc, on va prendre une grenade, tiens. Oh bah tiens, il est le même que moi. Il doit être content de m'avoir eu. Donc bah voilà. Ça c'est 11-4, il fait du joli lui. Ça c'est bien beau, mais il faudrait qu'on gagne quoi. Bon, à chaque fois que je suis en face de lui, il veut pas tirer. Bon, on va essayer de jouer avec le blackout. Ça peut peut-être être utile lors de... Bah... Bon là, ça m'énerve. Faudrait que... Bah, qu'on y arrive là. Oula. Vite, avant que... Trop... Oh non. Bon bah voilà, j'ai respawn plus loin, bien, bien plus loin. C'est assez casse-couille. Mais bon, à ce moment-là, les fins de partie, tout ça, ça peut aller. Voilà, là je suis deuxième. Ok, il y en a un qui arrive. Bon bah voilà. J'ai tiré, je l'ai même pas touché. Ouais. En plus avec son arme là. Bon, bah... Non, non. Une vidéo, j'ai dit que je gardais cette arme, donc je la garde.
Voilà, je sais pas comment il a su que j'étais là. Bon bah voilà, je pense que vous savez la suite, hein. On a perdu. Enfin, c'est que la première manche pour le moment. Après, il faudrait qu'on gagne l'autre. Comme ça fait égalité. Et comme ça, bah, c'est mieux. Donc, oh, la SRS SD, elle est nulle, il fallait prendre la SRS. Voilà, votre unité a été dissoute. C'est que des lâches. Et 2-1. Je comprends pas par où je me fais tirer là. Donc voilà, on a perdu. Bon, je suis deuxième. Je suis pas le meilleur spécialiste. Hein. Il est dans l'autre équipe, tiens. Bon bah espérons que on va gagner l'autre là. Donc comme mes deux premières vidéos, bah, je mettrai le lien du jeu dans la description. Et donc bah c'est parti. Là, cette fois-ci, c'est nous qui devons attaquer. Et donc là, on va aller vers le point B. Hop là. Ah, allez, avance. Donc voilà. On va recharger parce que voilà, c'est un peu le type qui me fait chier. Donc bah voilà. Il est vraiment chiant. Donc voilà, on est en train de capturer le point A. Donc on est plus rapide pour le moment que eux. Et voilà. Oula, de tous les côtés. Donc lui, je pouvais rien y faire, il avait un bouclier vide. À part rentrer dans... Bah dans son bouclier je pouvais l'avoir mais comme ça non. Je l'ai eu. Bon bah voilà. Hein. J'ai décidé de rentrer dans le tas donc je suis rentré dedans. Mais je me suis fait avoir. Donc là ils reprennent le point B. Un peu chiant.
quand ils vont le reprendre, ils vont être contents. Donc lui, il est toujours là-haut. Donc on va activer. Bon ben voilà, il a réussi à me mettre un coup. Donc si on continue comme ça, on va avoir le point A. Donc bah, je vais aller vers le point A pour avoir une capture. Sauf si pour le moment il est tout seul, donc il va pas tarder à mourir. Enfin, sauf si là et là il meurt au dernier moment. Ce serait plutôt bizarre. Donc le voilà, nous avons le point. Ben voilà, au petit air. Donc là on a le point A, donc ils peuvent pas nous le reprendre. Que le regard, vous voyez, le petit flingue est plus fort que le fusil à pompe. Voilà, une aide. Donc voilà, on s'est fait tous les deux avoir. Mais je pense que je vais passer aux dégâts. Bon, on va prendre celui-là. Juste un petit moment. C'est une mitraillette légère. Et que comme là on n'arrive pas à avancer, bah va falloir avancer. Bon bah voilà. On va repasser avec les gidons. Bon bah voilà, j'aurais eu le fusil à pompe, bah j'aurais eu. Donc bah on repasse au fusil à pompe. Et oui. Il serait temps de ravancer un petit peu. Bah voilà. C'est bizarre, bizarre, bizarre.
vieux fusil à pompe. Et one shot. Oui, cadence de tir, il est plus rapide. Bon, on va le prendre pour voir. Et on va voir ce que ça donne. Donc nous, on n'a pas encore eu les prolongations, donc on va pas tarder à les avoir. Oh, il est pas si mal. Oula. Et voilà, donc on a perdu les deux parties. Donc du 7-10, ça peut aller. Donc voilà, c'était censé être mieux. D'habitude, je suis plus fort à chaque fois que je fais la vidéo. C'est ça, chaque fois. Donc, vous avez déverrouillé ça. Recherche des munitions. Oula, vous avez augmenté vos chances de critique pour le MK5 niveau 1. Ça me casse les couilles, ça. Et donc, le MK5. C'est celui-là. Et nous allons voir utiliser. Bon, quasiment tout le temps la même chose. Et donc bah je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et bah abonnez-vous et mettez un j'aime. Allez, salut, à bientôt.